hier soir, on a retrouvé David et Hortense après 2 semaines et demie chacun de notre côté. On s'était séparés parce que nous, on a pris des routes accessibles qu'en 4x4. Alors, faut qu'on vous débriefe un peu la journée d'hier. Ça a commencé par moi qui vais acheter du pain le matin. Et en venant, je me suis attaqué par deux chiens de la rue. Et donc, il y en a un qui m'a mordu au poignet. Donc, heureusement que j'avais mon pull. Donc, du coup, il n'y a pas eu de plaie ouverte. J'ai juste eu bien mal et bien peur. Donc, voilà, ça a commencé. La journée a commencé comme ça. On entendait plusieurs petits bruits sur le 4x4, notamment un couinement. Et donc, Raph a regardé le soir. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la soudure qu'on avait fait au Chili il y a deux semaines, en fait, elle lâchait. Ça, c'était un des côtés du support. Et en fait, il y a tout un autre qui est totalement dessoudé. Donc là, pour nous, impossible de continuer la piste. On allait en direction du parc Toro Toro. Donc, on s'est séparés de David et Hortense. On est super tristes parce qu'on adorait voyager avec eux. Et on fait demi-tour. Et là, on va essayer de trouver Internet pour trouver un garage. On ne trouve pas de garage qui nous convient à Sucré. Du coup, direction La Paz, à 600 km d'ici. Ça nous oblige à louper toute la partie nord de la Bolivie. Mais si tout va bien, on devrait revenir durant notre voyage. À main depuis un petit moment, et là vu les villes en pente, c'est vraiment pas pratique, et on part en expédition à La Paz tout acheter. On a changé ce ressort là parce qu'il était détendu et du coup il sortait. Normalement ça vient comme ça pour le frein à main, et avec les vibrations ça se défaisait. Donc normalement, on a résolu le problème. Il reste plus qu'à tout remonter. Je suis aux sorcières, donc ils vendent plein de drôles de choses, notamment des fœtus de lama qu'on enterre sous les maisons pour faire une offrande à la Pachamama. Super pratique de visiter la ville, c'est le télécabine de La Paz. Franchement, on va mettre ça dans toutes les villes. Après avoir passé 4 jours à La Paz, où on a pu faire ressouder et renforcer le châssis, on quitte cette ville étonnante direction le lac Titicaca. Je pense que on-board, on ne se rend pas du tout compte du bordel dans lequel on passe. Bon, la Bolivie, c'est assez compliqué pour avoir du diesel à prix correct. En fait, il y a un prix local qui est 3,7 bolivianos et un prix pour les touristes qui est 8,8 bolivianos. Et souvent, sur le monde sans facture, on arrive à négocier un petit peu. Donc là, on l'a eu à 5 bolivianos, donc c'est un bon prix. On va faire le plein. Si, un moteur. Thank you.
Dernière visite pour nous en Bolivie, le parc Sarama. C'est un parc naturel qui comporte plusieurs volcans à plus de 6000 mètres. Bloqué à la frontière bolivienne, on n'arrive pas à rentrer, en fait il y a trop de camions, il y a un énorme bouchon. En fait les camions sont arrivés face à face, donc là ils sont en train de débloquer en essayant de faire reculer les camions. Je sais pas combien de temps on va y passer mais ça va être long. Énième réparation du foil, il y a tout le tail qui se décompose en fait. On a un petit tube de Solarez, ça marche plutôt bien. C'est le même combat pour celle-là. Elle a pas supporté le transport, elle a littéralement plié ou explosé ou je sais pas trop. Du coup j'ai trouvé un peu de résine époxyque, de la fibre de verre dans un magasin de bricolage. C'est vraiment du rafistolage mais bon, tant que c'est étanche, c'est l'important.